إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن من الجرائم التي حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع المسلمون على تحريمها جريمة الزنا فجريمة الزنا من أعظم الجرائم وهي من كبائر الذنوب وهي التي تلي في المفسدة قتل النفس بغير حق وقد دل القرآن ودلت السنة على تحريم تلك الجريمة ذلكم أنها تنافي نظام مصلحة العالم من حفظ الأنساب وصيانة الفروج والبعد عن محارم الله وهي تدل على قلة الدين وضعف الورع وفساد المروءة وانحراف الفطرة السوية قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى حرم هذه الجريمة حفظا للأمة من الضياع فإنه بانتشار هذه الجريمة تختلط أنساب الناس وتضيع ولا يألو أحد على أحد ينتقض الأبناء ويصبح الإنسان لا يدري الأب له من الأم فتضيع الأمة ويحصل البلاء والفساد قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Sachez, chers serviteurs d'Allah, que parmi les crimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et qu'a interdit son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah authentique et le crime qui fait le consensus de la communauté musulmane sur son caractère interdit et bien sûr la fornication et l'adultère qui font partie des pires péchés en islam et l'adultère et la fornication font partie des sept péchés capitaux en islam elle vient en gravité après le fait de tuer une âme en l'offensant sans en avoir eu le droit et les versets du Coran ainsi que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux à ce sujet la fornication et l'adultère sont contre le bien de ce monde et de s'en préserver la personne qui s'en préserve alors sa progéniture et s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui commet
ce péché ignoble. Ceci est un signe de sa foi qui est extrêmement basse et d'un manque important dans sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens, et n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quelle mauvaise, et quel mauvais chemin, et quelle mauvaise destination. Allah Azza wa Jal, pour montrer la gravité de ce grand péché, ne nous interdit pas clairement de ne pas commettre ce péché, mais nous interdit plus de nous en approcher. Allah Azza wa Jal n'a pas dit « Je vous interdis l'adultère et la fornication », il a dit « Je vous interdis de vous en approcher ». C'est-à-dire que tous les moyens qui peuvent amener une personne à tomber dans la fornication, dans l'adultère, eh bien ce moyen est interdit en islam par ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a décrit l'adultère et la fornication comme étant une turpitude, comme étant quelque chose de mauvais, quelque chose de malsain, quelque chose de répugnant. Et Allah Azza wa Jal a dit, et quel mauvais chemin, c'est-à-dire quel mauvais chemin qu'emprunte celui qui a commis ce péché, car cela ne va lui apporter que du mal, cela ne va lui apporter que le malheur dans cette vie d'ici-bas, et le châtiment douloureux, wal-iyadu billah, dans celle de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal est celui qui connaît le mieux ses serviteurs, et lorsqu'il interdit quelque chose pour eux, c'est avant tout pour leur bien. Et Allah Azza wa Jal nous a interdit la fornication et l'adultère pour protéger cette communauté musulmane, pour la protéger de ce fléau, et de la protéger et de protéger les progénitures. Combien de familles se sont mélangées alors qu'elles ne le désiraient pas? Combien d'enfants adultériens sont nés d'une relation interdite alors que les familles n'étaient pas d'accord? Allah Azza wa Jal a dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Il est interdit aux croyants de se marier avec une fornicatrice, de même qu'il est interdit à une croyante de se marier avec un fornicateur. حُرِّمَ الزِّنَا وَحُرِّمَ نِكَاحُ الزَّانِيَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ طَيِّبٌ لَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أيها المسلمون، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن عذاب الزاني والزانية وإن عذابهما أليم، فذكر الشرك بالله والقتل والزنا. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، تلك في صفات عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأخبر الله تعالى عن عذاب الزاني بقوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إذ لو كان الإيمان قويا لمنعه من ممارسة تلك الفاحشة الشنعاء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فشو الزنا إنما يكون قرب الساعة ودليل على فساد الأمة يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يا الله عز وجل nous a informé du châtiment concours le fornicateur et la fornicatrice. Il dit subhanahu wa ta'ala et ceux qui n'invoquent pas autre Dieu avec Allah, et ceci dans Sourate Al-Furqan, lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé des caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux, il a dit parmi leurs caractéristiques ceux qui n'invoquent pas autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourt une punition, et le châtiment sera doublé le jour du jugement, et il y restera éternellement en étant humilié. Puis Allah Azza wa Jalla a dit, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres, ce sont ceux-là à qui Allah Azza wa Jalla remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes. Et Allah Azza wa Jalla est certes le clément et le tout miséricordieux. Et celui qui se repent et accomplit de bonnes actions, alors il se repentra Allah Azza wa Jalla de façon sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la gravité de la fornication lorsqu'il a dit, comme le rapporte Abu Huraira radiallahu anhu dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fornique n'est pas croyant au moment où il fornique, et celui qui boit du vin n'est pas croyant au moment où il en boit. Ceci car si cette personne avait une foi correcte, ceci aurait empêché ou l'aurait empêché de commettre ce péché ignoble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le fait que la fornication et l'adultère se répandent sur terre est un signe de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Anas ibn Malik, rapporté dans le Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure n'aura pas lieu jusqu'à ce que la science diminue et que l'ignorance s'imprègne, que le vin sera bu et la fornication se répandra. Ayyuha al-muslimun, inna Allah jalla wa ala madaha al-mu'minina biqawlih walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالزاني فاته وصف الفلاح ووقع في اللوم واتصف بالعدوان لأنه تعدى إلى ما حرم الله عليه والله جل وعلا جعل هذه الفروج محفوظة إلا بالعقد الشرعي حتى لا يجاوز العبد أو حتى لا يجاوز العباد ما حد لهم. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des croyants dans Sourate Al-Ma'arij, Sourate l'Ascension, où Allah Azza wa Jal dit en parlant des croyants et ceux qui restent chastes, c'est-à-dire qui préservent leur partie intime, إلا على أزواجهم, sauf envers leurs femmes, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ait dit, فَمَنْ يَبْتَغِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, et ceux
qui cherchent, c'est-à-dire à assouvir leurs plaisirs, dans d'autres moyens qu'Allah Azzawajal a cité dans ce verset, ce sont eux les transgresseurs. Ils auront transgressé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azzawajal a préservé les parties intimes de chacun d'entre nous par un aqd shar'i, un contrat religieux, qui est le contrat du mariage. Lorsque tu vas avoir des rapports, tu ne dois les avoir que dans le cadre licite que nous a ordonné l'islam. Car si chacun utilisait son organe génital lorsqu'il a des envies pour les assouvir, comment serait notre société? Comment est-ce que les femmes et les hommes seraient considérés? Allah Azza wa Jal, pour notre bien, a donc interdit à quiconque d'avoir des rapports avec quelques femmes, sauf si cela est justifié par un contrat de mariage islamique et valide. أيها المسلمون جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه أن يقترب فقال أترضى بالزنا لأمك قال لا قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لزوجتك قال لا قال والناس لا يرضونه لزوجاتهم أترضاه لابنتك قال لا والناس لا يرضونه لبناتهم قال صلى الله عليه وسلم أترضاه لعمتك قال لا قال صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لعماتهم أترضاه لخالتك قال لا قال صلى الله عليه وسلم والناس لا يرضونه لخالاتهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم ضرب صدره أي صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال رضي الله عنه فما هممت بفاحشة بعد ذلك إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرر له أنك تنصف أن تنصف من نفسك فإذا كنت لا تريد لبناتك وأخوالك وأخواتك وعماتك وخالاتك وأمهاتك وزوجاتك وتراه قبحا وشناعة فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به هكذا المسلم يستقيم على الحق ويرضى لإخوانه ما يرضى لنفسه. Un jeune est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est authentique. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de forniquer. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont approchés de ce jeune homme pour le réprimander, comme cela est rapporté dans d'autres versions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a calmé ses compagnons et a dit à ce jeune, approche-toi de moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait asseoir et lui a dit, aimerais-tu cela ou aimes-tu la fornication pour ta mère? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien les gens également n'aiment pas la fornication pour leur mère. L'aimes-tu ou aimerais-tu que ta femme fornique? Il a dit non. Et le professeur Hassan lui a dit, eh bien les gens, il en est de même pour les gens, ils n'aiment pas que leur femme fornique. L'aimerais-tu pour tes filles? Il a dit non. Le professeur Hassan lui a dit, eh bien il en est de même pour les gens, ils n'aiment pas et n'acceptent pas que leurs filles forniquent. L'aimerais-tu pour tes tantes maternelles et tes tantes paternelles? Il a dit non. Et le professeur Hassan lui a dit, il en est de même pour les gens, ils n'aiment pas cela pour leur tante paternelle et leur tante maternelle. Puis le professeur Hassan a frappé sur la poitrine de ce jeune et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur et a dit, oh Allah, pardonne ses péchés, purifie son cœur et fais qu'il soit chaste, c'est-à-dire qu'il préserve ses parties
Et cet homme et ce jeune homme n'a plus reposé cette question et n'a plus eu envie d'avoir ou de faire ou de commettre ce péché ignoble qui est la fornication et l'adultère. Le prophète sallam a voulu dans ce hadith faire comprendre à ce jeune homme que ce qu'il n'aime pas pour ses filles, pour ses femmes, pour ses tantes, pour sa mère, etc., ce qu'il n'aime pas comme chose répugnante, comme chose malsaine, eh bien il ne doit pas l'aimer pour les filles, les sœurs, les femmes, les mères et les tantes des autres gens, car celui qui fornique avec une femme, il a soit forniqué avec la fille de quelqu'un, ou bien avec la sœur de quelqu'un, ou bien avec la femme de quelqu'un, ou bien la tante, etc. Ce qu'il n'aime pas pour soi, il ne doit pas l'aimer pour les autres. ثم اعلموا أن عذاب الله سبحانه وتعالى شديد ويتبين لدى كل مطلع أن الزنا يعرض صاحبه بل يعرض المجتمع كله للإصابة بالأمراض السرية القاتلة وتعلمون مرض الإيدز وغيرها من الأمراض التي نشأت والعياذ بالله وظهرت حين فشي الزنا وظهر وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن ابن ماجه والحديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن وذكر منها ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب أشد وهو عذاب الآخرة فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى وعذاب تذهل له النفوس وتقطع له الأفئدة فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث منام النبي صلى الله عليه وسلم فكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أن يسأل أصحابه هل رأى منكم أحدا الليلة مناما فكانوا يقصون منامهم وذلك اليوم قص النبي صلى الله عليه وسلم مناما رآه وأن رجلان أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل الذي رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عاريات فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضؤوا أي صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزنات والزواني يعني من الرجال والنساء Et le châtiment d'Allah Azza wa Jal est douloureux. Il y a d'abord le châtiment dans cette vie d'ici-bas où celui qui commet la fornication, son visage s'assombrit, son cœur également s'assombrit, sa foi baisse et son cas ne peut qu'empirer tant qu'il persiste dans ce péché ignoble. Et les maladies sexuellement transmissibles qui sont apparues à notre époque, qui n'étaient connues ou qui étaient inconnues chez nos ancêtres, qui sont apparues lorsque la fornication s'est répandue de façon exagérée, tout ceci est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala
envers ceux qui transgressent ses limites, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ceci dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté dans Sunan ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en s'adressant à al-muhajirin, à ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, ô vous les muhajirin, cinq choses lorsque vous en êtes éprouvés, et je demande la protection d'Allah que ces choses ne vous atteignent pas. Et parmi ces cinq choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque la fornication apparaîtra chez un peuple et que cela se répandra chez eux, eh bien les épidémies et la peste apparaîtront, de même que des maladies que n'auront pas connu leurs ancêtres. Quant au châtiment de la vie d'ici, de la vie de l'au-delà, il est bien sûr beaucoup plus douloureux et beaucoup plus coriace. Un châtiment qui fait frémir, un châtiment qui fait reculer celui qui croit en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari rapporte dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, lorsqu'il priait la prière du matin, de demander à ses compagnons si l'un d'entre eux avait vu un rêve la nuit dernière, et les compagnons avaient l'habitude de raconter leur rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait l'interprétation. Et ce jour-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a raconté le rêve qu'il a vu la nuit précédente. Il dit que deux hommes sont venus à lui dans ce rêve, et il raconte dans ce hadith long, nous sommes partis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ces deux hommes qui ne sont autres que Jibril et Mikaël, alayhim as-salam, ils sont arrivés jusqu'à atteindre At-Tano, qui est une sorte de marmite dans laquelle on fait cuire, et qui a la partie supérieure étroite et la partie inférieure beaucoup plus large. Et le professeur Hassan m'a dit, et dans ce tanon, dans cette marmite énorme, émanaient des sons et des cris. Le professeur Hassan a dit, nous avons alors regardé et nous avons vu à l'intérieur des hommes et des femmes nus. Et lorsque un feu ardent et très chaud et très violent surgissait d'en dessous eux, ils criaient de toute leur force. Ils criaient de douleur, car c'est un feu très ardent. Fakulto, et le professeur Hassan m'a dit, en s'adressant à Jibril alayhi salam, qui sont-ils? Qui sont ces personnes qui ont un tel châtiment? Et Jibril alayhi salam a dit, ce sont les fornicateurs et les fornicatrices. Wa l'ayyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لما حرم الزنا حرم كل وسيلة تفضي إليه وكل وسيلة تقرب إليه وكل ذريعة تجعل المسلم يقع فيه. ومن الأمور التي يبتعد بها المسلم عن هذه الفاحشة أولا غض البصر، وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه الكريم، أمر الرجال والنساء بأن يغضوا من أبصارهم. قال تعالى، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جاءه
فقال له لك الأولى وليست لك الثانية، أي النظرة، لك النظرة الأولى التي وقعت منك بدون قصد وليست لك الثانية، فإن النظرة الثانية ستؤاخذ عليها وستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وثانيا من الأمور التي يبتعد الإنسان بها من الزنا الحجاب بالنسبة للنساء، فإن الله عز وجل أمر بالحجاب وأمر المسلمة بالحجاب. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله عز وجل a donc interdit tous les moyens qui amènent à la fornication. La fornication est donc l'un des plus grands péchés en islam. Il y a des moyens que le musulman peut mettre ou peut appliquer qui lui permettront de se préserver de ce grand péché. Le premier des moyens, c'est de baisser le regard. Allah Azza wa Jal a ordonné dans son Coran à la fois aux hommes et aux femmes de baisser leur regard. Allah Azza wa Jal a dit, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font et dit aux croyants de baisser leur regard. Allah Azza wa Jalla dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Allah Azza wa Jalla nous montre ici que le fait de baisser le regard est un moyen qui permettra aux musulmans de garder sa chasteté. Car de regarder ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit, de regarder des femmes, voire de regarder plus des femmes nues, etc., ceci éveille en la personne des désirs et des envies qui vont l'amener, wal'iyadu billah, à tomber dans ce péché qu'est la fornication. De même qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux femmes de se voiler, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô toi le prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles un grand voile. Ceci est un moyen également de préserver la communauté musulmane et la société musulmane de ce péché qu'est la fornication et l'adultère. Et Allah Azza wa Jalla a également dit: mais lorsque vous les questionnez sur un objet ou sur une chose, alors questionnez-les derrière un rideau. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Ceci est plus pur pour vos cœurs et pour leurs cœurs. وَكَذَلِكَ حَرَّمَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْلُوَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَحَارِمِهِ فَيَقُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان. وقال: إياكم والدخول على النساء. قال: رجل رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي قريب الزوج. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de rester seul, tête à tête, en présence d'une femme qui ne fait pas partie des femmes qui nous sont interdites au mariage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un homme reste seul, tête à tête avec une femme, le troisième est le diable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith: Iyakum wa dukhul ala nisa, prenez garde à ne pas entrer chez les femmes, c'est-à-dire chez les femmes qui vous sont autorisées au mariage. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: que dis-tu de al-hamou? Al-hamou qui sont les personnes proches du mari, ses frères et autres, qui ont l'habitude de rentrer chez lui, est-ce que ces personnes aussi qui sont proches de ce mari, est-ce que ces personnes elles aussi n'ont pas le droit de rentrer chez les femmes de leurs frères et autres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: al-hamu al-maut, les proches du mari sont la mort, c'est-à-dire que cela est encore plus dangereux, et que si fornication il y avait, il y aurait plus de chances que cela
intervienne vis-à-vis d'une personne qui est proche du mari et qui a l'habitude de rentrer chez des femmes qui ne lui sont pas interdites au mariage de façon facile et aisée. وكذلك اختلاط الرجال بالنساء فجريمة الاختلاط من أعظم الجرائم المفضية للزنا شاء الناس أم أبوا شاء الناس أم أبوا ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منها أهل العلم تحريم الاختلاط وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع وأرشد الرجال والنساء أن يبتعد بعضهم من بعض في مساجد الله في هذه الأماكن التي بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى فقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها également ce qui est une cause ou la cause, une des causes principales de la fornication, c'est la mixité entre les hommes et les femmes. Que les gens veuillent ou non, la mixité est un fléau qui a fait que la fornication s'est répandue dans les sociétés musulmanes et non musulmanes. Le fait que les hommes et les femmes se mélangent, qu'ils puissent discuter, voire plus, à leur aisance et en toute liberté, ceci est sans aucun doute le meilleur des moyens pour la personne de tomber dans la fornication, wal'iyadu billah. Et vous connaissez tous les discussions qui ont lieu dans les différents lieux de travail lorsque l'on parle des femmes qui travaillent dans le même lieu de travail, qui travaillent dans la même entreprise. Vous connaissez tous le genre de discussion qui se dit. Et l'islam nous encourage et nous ordonne de séparer le plus possible les hommes des femmes, de les éloigner autant que possible, et ceci même dans les lieux les plus saints, même dans le lieu le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les mosquées, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lieux les plus aimés chez Allah sont les mosquées, et les plus détestés sont les marchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des mosquées dans lesquelles les musulmans se rendent pour une seule raison et un seul but qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler leur Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des rangs pour les hommes est le premier et le pire est le dernier et le meilleur des rangs pour les femmes est le dernier et le pire est le premier. Wa kadhalika yanbaghi للشباب أن يتزوجوا إذا وجدوا لذلك سبيلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله تبارك وتعالى يقول واعدا من عفى عن محارمه أن يهيئ له الزواج فقال تعالى في سورة النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Et le meilleur moyen de se préserver de la fornication est bien sûr le mariage. Les jeunes qui en ont la possibilité physique et morale et financière doivent se marier tant qu'ils le peuvent. S'ils ont la moindre occasion de se marier, ils doivent le faire pour préserver leur religion et préserver leur chasteté. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la possibilité d'avoir une famille alors qu'il se marie, car ceci l'aidera à baisser le regard et à rester chaste, à préserver ses parties, et celui qui ne peut pas alors qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Et Allah Azza wa Jal a promis à celui qui reste chaste et qui déploie tous ses efforts pour rester dans le licite et ne pas tomber dans ce péché qui est la fornication et l'adultère, le prophète Allah Azza wa Jal lui a promis de lui faciliter le mariage,
comme cela est rapporté dans Surat An-Nur, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat La Lumière, verset 33, et que ceux qui n'ont pas de quoi se mariner cherchent à rester chaste jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier, qui n'ont pas assez d'argent et qui sont pauvres, mais qui ont cette envie et ce besoin de se marier, Allah Azza wa Jalla leur dit de rechercher la chasteté et de rester dans le licite et d'attendre et d'être persuadé qu'Allah Azza wa Jalla ne trahit jamais ses promesses et d'attendre jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse et leur accorde la pourvoyance et la richesse qui leur permettra de se marier, et ceci par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله تبارك وتعالى أن يدفع عنا البلاء والزنا والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وأقم الصلاة